Aviez-vous, ne serait-ce qu'un jour, pensé au passé? Vous passez devant un lieu, vous vous y arrêtez, et puis vous vous demandez: quelle est l'histoire de cette maison, ce manoir ou ce lieu, pour être ce qu'il est devenu actuellement? Pour quelle raison cet endroit a-t-il été abandonné? Pour quelle raison ce lieu est maintenu en un état souvent inqualifiable, tellement celui-ci est délabré? Nous nous sommes posé la question. Et c'est pour cela que nous avons décidé avec vous de nous rendre sur ces lieux pour y trouver des réponses et pouvoir vous les donner en image. Venez avec nous pour tenter de percer le mystère dans un nouvel épisode du Saut dans l'inconnu. Comme vous l'aurez remarqué au titre de cette vidéo, nous visitons un château connu par énormément d'urbexers, le château Pierre-Chanal, connu aussi pour s'appeler Château Sequoia ou bien Château Louis de Gonzague. Nous nous excusons par avance de ne pas avoir effectué l'habituelle introduction en début de vidéo, ainsi que la qualité durant tout le long de celle-ci. Nous avons été pressés par le temps à cause du voisinage. En effet, lors de notre excursion jusqu'au château, nous avons fait une rencontre des plus désagréables. Pour finir, afin de nous excuser de l'inactivité non volontaire de notre part en ce qui concerne l'ajout de contenu sur cette chaîne, dû à des impératifs familiaux et au Covid-19, je vous propose pour cette vidéo un genre de reportage afin de vous raconter au mieux l'histoire du château. Je vous remercie pour votre fidélité et je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos qui arriveront prochainement. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo et aussi à répondre à notre petit sondage en cliquant sur le i en haut à droite de la vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage.
éviter de passer en doucement. Parce que là-bas, il y a des voisins. En tout cas, c'est magnifique. Bon, il y a des infiltrations, bien sûr. Ça s'effondre. On ne peut pas rester ici très longtemps. Pas l'air les peaux mouillées. Surtout passer sur les bords. Ah, c'était le plan quoi. Ah non. C'est un nouveau plan ça. Faut savoir qu'ici c'est un hôtel avant. Les petits mignons. Putain, qu'est-ce qu'il y a de chance. Bon, pendant qu'il fait ses photos. Moi ça m'inspire pas confiance. Hein. Vu le toit qui s'effondre. On va passer par là. Tiens, il y a une petite armoire là. Comme je disais, il faut savoir que c'était un hôtel avant. Et encore avant ça, c'était un château. D'où le nom, tu me diras, château de... j'ai oublié le nom. Louis Gonzague. Ou Pierre Chanal. Oh putain, il m'a fait flipper. Je m'attendais tellement pas. Coucou. Ça se voit que c'est en délabration, en délabrement, pardon. Tu veux faire pipi? Ouais, il m'a fait flipper. C'est des squatteurs. Ça, des petites hôtels, tout ça. Un hôtel très bien, tu me diras, tout ça quoi. Bon, après avoir vu ces quelques minutes d'enregistrement, je vous propose de connaître l'histoire de ce château.
château Pierre Chanal était une importante demeure seigneuriale bretonne. À l'origine, le château qui n'en était pas un contenait seulement un porche ogival et des tours qui existaient depuis le XIIe siècle. Elle servait à protéger les villes en amont d'un éventuel envahisseur venant par la rivière. Celles-ci furent malheureusement détruites. Puis, le château fut construit par la suite au XVe siècle par le roi Henri XII. Il est agrandi au XVIIIe siècle et puis pour finir, modifié au XIXe en la version que vous pouvez voir actuellement. Vu comme un joyau selon les dires, l'édifice était au milieu du XVIe siècle le siège d'une importante baronnie qui s'étendait sur de nombreuses paroisses aux alentours. Propriété successive de plusieurs familles célèbres de l'époque, dont un parlementaire breton représentatif du siècle des Lumières. Vendu par la suite comme bien national à la fin du XVIIe siècle, suite aux affres de la Révolution française, le château est aujourd'hui dans la même famille depuis 1999. Elle fut rénovée et reconvertie en chambre d'hôte en 2010. Malheureusement, faute de revenus conséquents, le projet fut abandonné. Heureusement qu'on ne voit pas. C'est quoi ça? Lessiveuse, la supérieure. Bah, j'ai pas du tout envie d'appuyer, enfin d'ouvrir. Elles ont l'air super neuves les portes quoi. Elles ont l'air vachement neuves. Hein. Ouais. Non, même pas de la ferraille. Ça, je pense qu'ils ont prévu rénover ça pas. Pas très longtemps. C'est flippé le bateau, à chaque fois j'ai l'impression que c'est un gros truc. Bon là, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, on a regardé, c'est juste un mur orange. Oups, désolé. T'as
Il est endormi le bébé. Tiens, je sais. C'est ça qui m'intriguait. Ça a été tapissé au journal. Ça. C'est d'une Volkswagen. Ouais, c'est ce que je me disais. En fait, l'optique de Volkswagen, ça.